La colère des salariés de Bosch Rexroth à Vénissieux. Ils bloquaient aujourd'hui le site de leur usine spécialisée dans la fabrication de composants hydrauliques pour les machines de travaux publics. La direction prévoit de délocaliser une partie de la production et sur 160 postes, 185 pourraient être supprimés. Il y aura automatiquement des licenciements secs parce qu'il y a un schéma où on a une quarantaine de personnes, 45 pré-retraités d'ici 2018. 40 à 60 départs volontaires et le reste, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait du reste? Les mesures d'économie qui sont demandées pour le site de Vénissieux sont disproportionnées par rapport à nos pertes. Les mesures d'économie nous demandent entre 19 et 20 millions d'euros d'économie sur un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros à horizon fin 2018, donc dans 2 ans et demi maintenant. Et ces mesures d'économie passent par la délocalisation d'une de nos deux activités en Turquie. Tout ce qui est pacte de responsabilité, CICE, crédit d'impôt recherche, ça représente quand même des sacrées sommes pour Bosch en France. Et en contrepartie, ils font des plans de licenciement où ils séparent des salariés. Quoi. La direction précise quant à elle qu'elle reste attachée à la poursuite des discussions pour un retour le plus rapide possible à une activité normale sur le site.